into a spire of flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Bad as torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Eh bien, salut tout à tous, c'est Missepal, c'est notre tour pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur... Alors qu'il y a un décalage sur le bas, comme d'hab. Pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda Link's Awakening. J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup, on va laisser un petit peu la next, voilà, on va faire ça, on va essayer de faire ça un épisode sur deux. Aujourd'hui du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la... on va prendre ça et on va se diriger vers le prochain donjon où faut aller. Ok. Je joue également avec cette manette là au lieu de Joy-Con. Pour la simple bonne raison que les Joy-Con sont des. La batterie n'est pas. C'est-à-dire que le Joy-Con ne marche pas. C'est pas grave. Et donc, où est-ce qu'il faut qu'on aille maintenant? Faut qu'on aille. Hop. Je ne sais pas. What? Je ne sais pas où il faut que j'aille. Je vois. Ça doit être là. Donc on va essayer de se diriger vers le donjon. Tac, vu que maintenant on a ça, on le rappelle. Putain, non. Aïe. Est-ce qu'on peut aller là? Oui. C'est pas là qu'il faut aller. Je suis paumé. En fait, je vais pas vous le cacher. L'indication n'est pas claire. L'indication, je vais vous la lire. Donc, il nous faut l'arc, ok? Donc, mince, on a besoin forcément de l'arc. Rendez-vous ensuite au village des animaux grâce au portail de téléportation. C'est ce qu'on va faire. Dirigez-vous à l'ouest, puis vers le nord. Et enfin à l'est. Donc, je veux bien. Dirigez-vous vers l'ouest. L'ouest, pour moi, c'est là. Déjà. Ok. Ensuite, du coup, pour moi, le nord. Enfin, elle est stockée là. C'est là qu'on aille. Ouais. Ok. Oh! Ah oui, bah oui, le fameux temple du sud qu'on avait vu. Ok.
comment est-ce que... Ok, par là. Mince. Ah, tu m'énerves. Voilà. Barre-toi. Ouais, mais là maintenant, je fais comment? Ok. Voilà. On passe pas par ici. Ok, on peut faire ça. Oula. Un truc de puissance, ok. Voilà. Oula, c'est bon, on est arrivé au temple du sud. Des flèches, ok. Pardon. Bonjour. Ok. Ok, attendez, faut juste que je m'y fasse. Je comprends pas comment je le fais. Ok, attendez. Raté. Fait trop mal. Mais non, mais il est intuable. Il est intuable. Comment? Attendez. Ok. Donc ouais, pourtant c'est comme ça. C'est ça. C'est un truc de fou. En fait, je comprends même pas. Attendez. Je comprends même pas où le taper. Ok. Non, ouais, faut lui lancer une flèche derrière lui, ok. Touché. Touché. Ok, en fait, c'est facile.
Et on obtient la clé. Et on obtient la clé masque. Ok. Oh. Toi qui lis ces lignes, sache que l'île Cocoline n'est qu'une illusion. Mer, ciel, montagne, monstres et humains, rien n'est réel. L'île n'existe que dans les songes du poisson rêve. Quand il se réveillera, elle disparaîtra. Naufragé, maintenant tu connais la vérité. Quoi ? Une illusion ? Voilà, mesdames et messieurs, on le sait maintenant, on ne s'est pas échoué. On est prisonnier du rêve, du poisson rêve. Voilà. Oh, je vois que tu as lu ce marbre ancien. Il dit que l'île est issue des songes du poisson rêve, mais personne ne saurait l'affirmer. Qui peut savoir ce que contient un coffre tant qu'il n'a pas été ouvert? Qui peut deviner qu'il rêve tant qu'il ne s'est pas réveillé? Le poisson rêve est le seul à le savoir. Alors, suis ton instinct. Ainsi, tu trouveras la réponse. Ouh, ouh. Ok. C'est tout bon. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va... Est-ce qu'on peut, à la limite... Ça m'embêterait de continuer tout... Enfin, ça m'embêterait de entamer le donjon maintenant, en fait. Du coup, est-ce que je peux faire... Est-ce que je peux continuer ça? Parce que... J'aimerais continuer, en fait, la quête des échanges. Et pour le moment, nous, on a... On a ça. On a l'hibiscus, voilà. Ok. Donc, on peut continuer. On va continuer ça, du coup. Surtout qu'en plus, oui, on sait à qui le donner l'hibiscus. Je suis bête. L'hibiscus, on sait à qui le donner. On le sait. On le sait. Du coup, voilà, on va faire un petit peu d'annexe. L'hibiscus, voilà, c'est au village des animaux, c'était laquelle? À l'espèce de chèvre, en fait. Non. Elle, peut-être? Non. La seule maison différente, peut-être? Pas du tout. Voilà. Tu m'as apporté un hibiscus, comme c'est gentil. J'ai une faveur à te demander, je peux? Bien sûr. J'aimerais te confier une lettre pour monsieur qui habite à l'orée de la forêt. Merci d'avance. Parfait. Tac. Lui, ensuite... Ok, ensuite, faut qu'on aille a priori. A priori là, je pense. C'est là, ok. Tac, on va se mettre ça. Donc, ok, on va se TP au plus proche. Dommage qu'on n'ait pas les marqueurs qui sont sur la carte de TP. Ça, ce serait pas mal.
passer par là. Tac. Pam, pam, pam. Oh. Ok, donc voilà, c'était là. C'est là. C'est à lui. Bonjour. Cette lettre de Christine, pour moi, c'est formidable. Il y a même une photo. Oh, Peach! Trop bien. Oh, quelle beauté. J'aimerais tant te remercier. Trop bien. Je n'ai que ce balai à t'offrir. En veux-tu? Je prends. Il n'y a vraiment rien? Il n'y avait rien. Tant pis. Tant pis pour toi. Il n'y a vraiment rien là. Allez, je descends comment moi? Bah oui. Voilà, mon bouclier s'il te plaît. Non mais oh. Je sais dire, on aurait pu faire la voiture sans bouclier, ça aurait été marrant. On aurait galéré, mais ça aurait été marrant. Surtout qu'en plus, je pouvais juste passer comme ça. Lalo. Alors, où est-ce qu'on va donner la prochaine? C'est encore au village des mouettes, en fait. Ok, je vois qui... Bonjour madame. Youpi youpi, un balai neuf. Merci, c'est bien pour moi, tout à fait. On va aller loin sur laquelle. En remerciement, je t'offre cet hameçon que j'ai trouvé au bord de la rivière. Ok, bon, bon, honnêtement, ça avance. Ok. Ouais, il ne nous reste plus grand chose à voir. Ok. Ensuite, faut qu'on aille. Est-ce qu'on a un TP par là? Ok. On a eu un son bizarre. Faut qu'on aille. Ok. Quoi?
sors comment d'ici moi? Par là? Je sais même plus. Si on va se taper là-haut, au pire, ça va être plus simple. Ça va être plus simple. Parce que nous, faut qu'on aille. Fous-moi la paix, toi. Tac. Hop, on arrive où? Je suis pas du tout là où je veux être. Donc si on fait... Ok, non, j'ai fait de la merde. J'ai fait du caca. On va ici. Oui, on retourne au village des animaux. Encore. Ah, on sort comme ça du village des animaux. Il ne s'est absolument rien passé. D'accord, on va faire comme si de rien n'était. Ouais, mais ça change rien en fait à mon problème. Après, je veux dire aussi, quand il n'y a pas de problème, évite de t'en créer, quoi. Foutez-moi la paix. Aïe. Bonjour. Il y a un lieu ici. Ok. Bonjour. Oh, mais qu'est-ce que tu tiens dans la main? N'est-ce pas un hameçon? Si tu me le donnes, je te ferai don de ma prochaine prise, d'accord? Ouvre les yeux et mate le pro. Wouah! Je sens qu'il est énorme. Le colis, est-ce que quelqu'un l'aurait perdu? Bien sûr qu'on sait qui c'est qui l'a perdu. Alors ça, je suis sûr de savoir qui c'est qui l'a perdu. J'ai pas regardé ma soluce, hop. Je suis sûr de savoir ce que c'est. C'est toi, la sirène, on lui avait déjà parlé. Ah, le revoilà, c'est mon collier, donne-le-moi. Je vais t'offrir l'une de mes écailles, marché conclu. Ok. Une écaille, parfait. Ensuite, ok, c'est par là.
Waouh, c'est le bordel. Aïe. Mais je m'en fous de toi. Bouge de là. Ouais, dégage. Toi, bonjour. Vous avez déposé l'écaille qui manquait à la statue de la sirène. Super. Mais c'est super. Et ça donne quoi? Wow, 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 wow. Ok, une loupe. Vous avez obtenu la loupe. Elle vous montrera ce que vous ne pouvez pas voir auparavant. Oh, ok, du coup maintenant je vois tout. Ok. Est-ce que vous pensez qu'avec la loupe, maintenant, je vous rappelle, oui, voilà, ici on a une quête à faire, mais qu'on n'a jamais pu faire. Du coup, la quête des échanges est officiellement finie. Du coup, la quête des échanges, c'est fini. Où est-ce que c'était? Ici, on n'a jamais réussi à la pousser. Non, elle ne bouge pas d'un pouce. Je ne sais toujours pas pourquoi. Ce qu'il a fallu une kill. Bon, en même temps, je vais un petit peu chercher. Ok. Bah en plus on a 30 minutes donc c'est parfait. On va pouvoir s'arrêter là. Le donjon, on sait pas où il est. Soit du temps passant. Ok. Ok. Donc en gros, voilà, on a été là. Et je pense qu'à mon avis, il faut qu'on aille. Oh, faut qu'on aille là. Oh, intéressant. On va y aller, on va s'arrêter. Ouais, mais attendez, c'est pas comme ça qu'on va au temple du sud. Comment est-ce que j'ai un accès rapide au temple du sud? Autant passer par là et puis tout redescendre. Ouais, c'est possible. Ouais. On va essayer de tenter ça. Parce que... Ouais, mais non, je pourrais pas descendre en fait. Ah bah si, avec son bateau. Collecte d'objets.
Tac. De la poudre magique à la limite. On fait nos courses en même temps. Ouais, trop bien des cœurs. Allez hop, on avance. Ok, du coup. On est arrivé là, ok. Barrez-vous, purée. Chou là. En fait, je suis ici, ouais. Oh, attendez. Ok, ici, il me faut une clé. Mon dieu. Oh, une fontaine de fées. Ok. Merci. Tac. Ouais. Ok. Alors toi, tu es débile. Tac, et on va s'arrêter devant. Oh là là, oh là là. Tac, ok. Et on a la prochaine serrure. Qui est là? Eh bien, on va s'arrêter là. J'espère en tout cas, franchement, sincèrement, les amis, que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous du coup très bientôt pour la suite de notre aventure sur The Legend of Zelda Link Awakening. Merci à tous. C'était Para. Allez, rendez-vous très bientôt pour la suite de notre aventure. Allez, bye bye tout le monde. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne des vidéos à vos amis. Pour que ceux-ci puissent me découvrir, bien évidemment, le pouce bleu, le commentaire avant de partir. Bye bye tout le monde. Salut, bye, ciao ciao tout le monde, bye.